coucou. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour tenter de faire un mini-album, un folio, voilà. On va essayer de faire quelque chose avec ce bloc-là. Hop. Ce bloc-ci de chez Action. Parce que dans ce bloc-ci, vous avez des cartes comme ceci. Vous avez plein de cartes comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai les toutes parce que moi, du coup, je les ai toutes découpées. Je vais regarder. Non, je crois pas. Voilà. Des petites cartes comme ça aussi. Oui, vous en avez plein. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc moi, j'ai découpé une partie des étiquettes, vous voyez, elles sont ici. Donc, avec ce bloc-ci, on va tenter de faire un petit quelque chose. Alors, j'ai pris une base de feuilles noires qui fait, sur la longueur, elle fait 29,5. Voilà, donc je reprends une feuille de 29,5 sur 21. Donc 29,5 sur 21. On va faire des plis. Sur votre droite, vous commencez à faire un pli, enfin vous faites un pli à 8 cm. Ensuite 9,5, 20,5 et 22. Du coup, vous obtenez ceci. Oui. Alors j'ai noté les dimensions, mais je ne sais pas. Je vais vous redire. Donc, premier pli à droite, 8, 9,5, 20,5, 22. Et du coup, on obtient ceci. Je vais vous montrer du coup mes petits prototypes. Ça peut être un peu plus parlant. Ça, c'est mon petit prototype que j'ai fait, que j'aime bien faire avant de faire des petits tutos pour voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai rajouté une autre petite page. Donc, pour ajouter cette page, j'ai pris un morceau de papier, toujours dans du noir, de 7 cm sur 21. Donc, 7 cm sur 21. Et on va venir le placer au niveau du 8 cm, le rabat de 8 cm. On va venir le placer à peu près comme ceci. Donc vous voyez, sur le rabat de 8 cm, là vous avez un petit morceau de 7 sur 21. Et on va venir le coller, on va venir le coller, j'avais fait une petite marque, voilà. 3,5 du pli, on va venir coller notre morceau de papier ici. Comme ça, ici, on pourra faire des petites pochettes ici. Donc, on fait un trait à 3,5 en haut et en bas en partant du pli. Et on va mettre un peu de colle ici et juste là. Vous voyez ? En bas et tout le long ici pour qu'on puisse venir coller notre petit morceau de papier. Donc alors je pense que je ferai cette vidéo en plusieurs parties parce que comme j'ai un téléphone qui ne tient pas la route et qui va certainement bugger vers les 20 minutes, donc du coup je pense que je ferai ça en plusieurs vidéos. Donc, vous voyez, j'ai mis ma colle. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Et donc là, je viens positionner à peu près à 3,5. Hop. Faut que ce soit droit, quoi. Hop. J'ai pas pris mon petit chiffon.
ce qui nous donne du coup ici une petite pochette où on pourra épicer les petites étiquettes. Et ça ne dépasse pas, vous voyez, quand on ferme, ça ne gêne rien. Hop, donc ça c'est bon. Sur cette petite, du coup, languette qu'on a rajoutée en plus, on va y mettre une feuille de papier qui fait donc 11 cm, toujours sur 21, donc 21 sur 11 cm. Et sur les 11 cm, on fait un petit pli de 1 cm. Voilà. Et ce pli de 1 cm, on va venir le coller au bout de la languette qu'on vient de coller. Comme ça, ça nous fera, vous voyez, un petit rabat en plus. Donc, je vais juste biseauter un petit peu sur les languettes, enfin, sur ma languette. Et je vais y venir mettre un peu de colle. Et je viens le coller sur... Voilà. C'est bon, ça ne dépasse pas. Donc on ne peut rien. Je vais le fermer. Donc, si vous avez tout bien collé, vous ouvrez comme ceci. Comme ceci et comme ceci, avec ici du coup une petite pochette. Voilà, vous voyez, jusque là c'est pas compliqué. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Je regarde comment j'ai fait mon modèle. Donc là j'avais fait des petites pochettes, mais je pense que je vais coller mon papier déco avant. Là je vais rajouter. Ouais, ici, on va pouvoir peut-être, je crois que j'avais fait ça. Il ne faut pas que je me trompe dans mes mesures. Ça, ce sont mes pochettes. Ça, hop, ici. Ça, ça va là. Donc, c'est celle-ci. Hop, je vérifie quand même que je ne me suis pas trompée. Hop. Ça va être celle-ci. 4, 5, 6. Alors, j'ai dit que je voulais mettre ici. On va rajouter deux petites pancartes. Enfin, pancartes. Des petits volets ici. Et je vais en mettre un à l'envers et un à l'endroit. Ça va être collé par-dessus. Voilà. Donc, on va prendre deux petits morceaux comme ceci qui font 10,4 par 8,9. C'est précis. Hein. Donc, 10,4 par 8,9. Et du coup, sur les 8,9, on fait un pli à 1 cm ici. Donc, on se retrouve avec du coup 7,9. D'accord ? J'ai fait ça puisque les petites étiquettes que j'ai collées, en fait, c'est pour les mettre dessus. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'au niveau des mesures, c'est un peu biscornu. Mais bon. Donc ça, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais en coller une comme ça, une qu'on va ouvrir comme ceci et l'autre qu'on va ouvrir comme ça. Je vais biseauter. Ici. Alors, on va en coller un
Donc, ce sont la partie qu'on a rajoutée. On va en coller un sur le bord. Ouverture à droite. Et une autre languette sur la gauche. Pour une ouverture à gauche. Et bien au niveau du bord, comme ça. Pour mettre ensuite notre papier déco, ça ne se verra pas. Donc, un petit peu de colle. Alors, bien la mettre sur le bord. Et l'autre aussi, on va la mettre sur le bord. Voilà. Alors, pas trop près du bord non plus, parce qu'il faut qu'on puisse quand même ouvrir et fermer. Voilà, donc vous voyez, ça nous donne ceci. Une comme ça et une comme ça. Hop, hop. Ici, nous avons donc une grande pochette. Ici. Voilà. Ensuite, alors ici, du coup, on verra ça après, puisque je vais mettre d'abord mon papier déco ici. Ici, nous allons faire une cascade avec une petite languette qui va la retenir, et ici on va mettre hop, comme ceci. Donc pour là, je vais peut-être refermer ça. Il va nous falloir parce que du coup mon papier, je crois que j'avais déjà découpé mon papier, mais j'ai pas pris mes mesures avant. Donc je vérifie en même temps si non, pas que j'ai remarqué. Bon, ça pourrait le faire, mais bon, non. Parce qu'en fait, je voulais coller des petites languettes dessous. Comme ici, là. Mais du coup, il faut que je cache les petites languettes. Mais je crois que j'avais dit, au pire, je pourrais coller un papier ici. Ouais, je vais les coller. Et puis, on verra par la suite ce que ça donne, hein. J'ai juste fait un prototype, j'ai pas fait encore cet album, enfin, ce mini-album, folio, ce qu'on veut. Du coup, on reprend. J'ai pris des morceaux de papier qui font 8,8 par 6,8. Donc, 8,8 par 6,8, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Et on fait un pli à 1 cm sur les 8,8. Donc, si on fait un pli ici, on se retrouve avec un petit morceau de papier de 7,8. Il nous en faut deux. Il nous en faut deux et on va les coller en bas. Pareil, les mesures, elles sont spéciales puisque c'est pour coller ensuite les petites étiquettes dessus. Une fois qu'il sera fini, ce sera certainement beaucoup plus parlant. Comme ça. Et donc là, on va les coller en bas sur la la troisième partie, la plus grande en fait, qui fait 11 cm. Donc on va les coller en bas. Du coup, peut-être que je vous ferai, ça dépend si j'y arrive, faire une vidéo de présentation avant du folio, comme ça, enfin du folio, mini-album,
Donc ça, ça sera peut-être plus parlant sur... pour le tuto, en fait. Je vais voir ce que je vais faire, comment je vais m'organiser pour ça. Donc là, on colle la petite languette. On colle aussi l'autre languette. Donc on décolle au milieu et bien droit. Voilà. Donc là du coup en bas on va se retrouver avec ceci et ceci. Et là, du coup, on va prendre une languette qui fait 18,5 par 4,5 et on fait un pli en bas de 1 cm. Donc 18,5 par 4,5. Montée va être froid. Excusez-moi, mais ça fait du bien. Donc 18,5 par 4,5 et on fait un pli à 1 cm. Et on va venir le mettre tout en bas. Je n'ai pas vérifié avant. Hop, et ouais, il aurait fallu, ouais, c'est Jeff, hein. Alors, bien, il aurait fallu coller ça avant, la petite languette, mais bon, on va dire que ça va passer, donc je vais coller ma petite languette, et en fait, au bout, on mettra un petit aimant, pour maintenir ensuite la cascade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller comme ça. Donc ça, c'est pareil, on essaye de la centrer. Donc ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc on obtient ceci. Tac. Et ici, on va venir après coller le papier décor donc juste dessous. On aura ici des petits volets. Et ici, on va venir y mettre une petite cascade. Donc si vous voulez préparer votre cascade, à la rigueur, je vais vous donner les mesures. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai ce que je vais voir. Donc 6 morceaux de papier qui font 9,5 sur 10,4. Nous faisons un pli sur les 9,5 et du coup il va nous rester du 8,5 sur 10,4 et comme ça vous en faites 6. Voilà, avec le petit pli ici, une fois qu'on aura collé notre papier déco ici, on viendra y placer notre cascade là. Donc une petite cascade ici qui sera tenue par un aimant. Là on a une petite pochette ici. Là on a deux ouvertures. Et ici j'hésite encore. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose ou pas. Donc voilà. Donc du coup, il va nous rester, alors pour la déco, moi j'ai commencé juste à mettre sur le côté comme ceci, vous voyez. Et du coup, il nous faudra certainement ici, donc un aimant pour la cascade. Et peut-être pour la couverture, pour bien la maintenir fermée. Voilà ce qu'il vous faudra. Donc là, je vais arrêter la vidéo ici. Moi, je vais préparer tous mes papiers déco et on va se retrouver à ce moment-là pour la deuxième partie, pour la partie décoration. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure ou à une prochaine vidéo. Bye bye!